Hey Popcorn, c'est Tojo. Aujourd'hui on se retrouve pour une rediffusion de live où en fait je vous montre des séquences de mon concert, enfin avec mon groupe, donc Soro. Si vous êtes intéressé par mon groupe, il y aura le lien dans la description, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Et bah voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire des critiques, si vous avez bien aimé, si il y a des efforts à faire, enfin des changements à faire, enfin voilà, des conseils. Je suis preneur, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai décidé aussi de séparer donc en plusieurs parties pour vous éviter donc voilà d'avoir une heure de vidéo. Donc ce sera des vidéos de plus ou moins 20 minutes où je vous montre 2-3 chansons. Et puis voilà, la prochaine partie sera postée, mon avis, dans le mois. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve après. Ciao. Et donc voilà, on va parler un peu du concert pour voir... Pour voir comment ça se passe, enfin, comment ça s'est passé, s'il n'y a pas des trucs à modifier, des trucs qui vous chiffonnent, des trucs qui ne vont pas, des... Voilà, n'hésitez pas, tant que c'est constructif et que c'est pas juste pour critiquer comme ça dans le vent, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez tout simplement, et juste dire « Putain, mais c'est trop bien !» Bah ça fait plaisir, mais c'est pas ce que je recherche, donc si vous pouviez vraiment critiquer... En bien ou en mal, hein, peu importe. Moi, je prends toute critique. Comme ça, c'est comme ça qu'on peut évoluer, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Donc, du coup, voilà, comme vous pouvez le voir ici, on aura le petit concert. Bon, la qualité n'est pas ouf. Ça a été filmé avec un iPhone, mais en direct sur Facebook. On avait hésité, en fait, à enregistrer avec le téléphone ou à faire un direct. Et je me suis dit, bon, autant faire un direct. On va lancer le petit concert, là, petit à petit. C'est parti avec une cover, donc, de Flavor. Enfin, de Flavor. Le titre, c'est Flavor. Et le nom du groupe, c'est Girls in Hawaii. Et on avait fait, donc, c'est une reprise, là. On a fait un peu une reprise. Enfin, c'est pas notre sauce, mais la structure n'est pas la même, quoi. Ah, c'est bon. Je vais essayer de baisser au cas où si ça va beaucoup trop fort. On verra. Dites-moi si vous entendez bien le son. Ouais. Filmer, ce serait mieux de filmer, ouais. Je pense qu'on va faire ça. On n'entend rien. Ah! On va augmenter le son alors. Est-ce que c'est mieux? Mieux mais pas assez. Là je suis un peu dans le rouge hein, donc quand ça va taper, ça va taper hein. Salut à tous. Nous c'est Soro.
Voilà, alors ça c'était la première musique, donc c'était une reprise, hein, donc ceux qui sont intéressés d'écouter l'original qui est beaucoup plus... Enfin, elle est un peu différente, quoi, elle est un peu moins agressive, je trouve, l'original. C'est donc Girls in Hawaii, et le nom de la musique c'est Flavor. Donc voilà. Ouais, j'ai oublié de mettre les emojis, là, je les ai mis les emojis. donc voilà, c'était... une des premières. Il y a Corsac aussi, je viens d'y penser là. Corsac qui est là, qui a envoyé un message OMG, quel concert parfait. En fait, c'est le bassiste donc, qui est ici là. Ma souris est à l'envers. C'est énorme ce qui se passe. Le bassiste qui est là avec son petit bonnet. Donc coucou, voilà, il est là. Donc voilà, comme je l'avais dit, hein, je te le dis à toi maintenant. J'aime bien de faire comme ça des petits streams où en fait on parle juste entre viewers et tout parce que. Là, vraiment, on peut avoir... on peut vraiment... Coucou le bassiste. On peut vraiment parler tranquillement et tout, et on écoute vraiment la musique, et on est vraiment concentré à écouter la musique, alors qu'en concert, les gens, ils disent « Ouais, c'était trop bien, mais... » Ils ont pas... Enfin, ils ont pas... C'est juste, c'est trop bien. Et après, il y en a qui donnent des critiques, hein. Ça, c'est pas ça, hein. Mais la plupart du temps, c'est juste, c'est trop bien. Mais non, en fait. Genre, explique ce qui était bien et ce qui était pas bien. prochaine chanson, c'est une compo si je me trompe pas, et c'est Last Trip, donc voilà, et je mettrai un jour, je demanderai à mon chanteur d'envoyer les paroles, et j'essayerai de mettre les paroles une fois sur internet, et puis voilà, c'est parti. Salut Lod, j'espère que tu vas bien. Putain, et moi on me voit pas, hein. Je suis là genre derrière à la batterie, on me voit jamais, voilà, hop, on me voit, hop, on me voit plus, je suis caché. Autant pour moi, on avait modifié. Là, c'est pas une compo, c'est... comment elle s'appelle cette musique encore ? Gangsta Paradise, je pense. Un truc comme ça. Donc voilà, qui est un peu modifié aussi à notre sauce. Voilà, voilà. Yeah.
Sponsor par Strepsils. Par rapport à la voix, c'est ça. Prochaine chanson, c'est parti du coup. C'est la strip, c'est une composition qui date déjà donc d'il y a longtemps. Et puis voilà, c'est peut-être pas la version finale hein, ce que je vous montre là, mais comme ça vous avez déjà un aperçu de ce qu'on peut faire de nous-mêmes. Donc qu'on a essayé un peu d'avoir d'imagination. C'est parti. Là c'était donc la strip, donc c'était une vieille, enfin une vieille, pour nous c'est une vieille compo, mais c'est vrai qu'on la joue, ça fait peut-être le deuxième ou troisième concert qu'on la joue, et puis voilà, ouais, c'est, yeah, merci, j'espère que vous aimez bien cette musique, c'est, j'aime bien parce qu'il y a Tonich qui dit ça ressemble à du placebo, et au tout début de la musique j'ai rigolé, pourquoi? Parce qu'en fait je me suis trompé, en plus je me suis même pas rendu compte, en la jouant, c'est après, donc c'est Lucas le guitariste ici, c'est après, après le concert, il m'a dit, mec, tu t'es trompé sur cette musique-là, j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah au tout début, ouais, en fait, en gros, au lieu de faire, ça fait normalement, ta tout toum toum, ça commence directement, et là j'ai fait, ta 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 tout 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 toum, je vais vous remettre vite fait le début, mais franchement, excellent. Bref, bah c'est des petits moments. Pourtant, j'ai jamais fait cette faute. Hein. C'est, je sais pas, des fois, je fais des fautes en concert. Je suis là, mais putain, mais mec, tu fais jamais cette faute. Et en concert, tu l'as fait, quoi. Là, en fait, ce qui va se passer, vous allez comprendre.
Moi, je vais taper des baguettes pour dire on va commencer à jouer. Parce que sur la playlist qu'on a faite, donc on a une playlist, hein, forcément, comme ça, on a une feuille et on sait c'est quoi la prochaine chanson, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe sur scène. Et là, il y a notre chanteur qui nous dit « Ouais, c'est celle-là des musiques. » Sauf qu'en fait, il avait mal lu et il a décalé une chanson. Donc moi, j'étais persuadé, j'étais sûr, en plus je relisais sur ma feuille, et je me dis « Mais c'est pas la bonne musique qui veut commencer. » Mais je l'ai su après. Hein. Et donc du coup, moi, je commence d'abord à claquer deux fois des baguettes en me disant « Allez, on est parti. » Donc c'est Traitor, donc c'est aussi une compo. Donc normalement, c'est Traitor. Il en fait 1, 2, 3, 4. Et puis ça commence tin, 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 en même temps en guitare et batterie. Sauf que là, là, on a inversé. Donc je vais jouer en premier tout seul. Vous allez le voir maintenant. C'est parti. Là c'est une compo, voilà les gars, c'est une compo. C'est Hurting Lesson. You should end down and not come down.
Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, et en espérant que vous allez voir aussi la prochaine partie qui va arriver d'ici peu. Puis voilà, donc comme je disais, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si ça vous a vraiment plu, et à la partager comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve en live pour les prochaines fois, ou en vidéo sur YouTube, tout est dans la description bien évidemment. Et c'était Tojo, ciao, à la prochaine.